Je ne suis pas ton rival. Mon petit espace, mon petit paradis, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas c'est un endroit où on aime bien être. Donc là, dès que je franchis ce cap-là, on est dans un autre monde pour moi. C'est un monde fait de fleurs, de production, d'animaux sauvages, et où vous trouvez toutes les espèces indigènes qu'on peut trouver ici en Ardennes. Hein. Tous les arbres arbustes sont présents, les insectes, il y a les abeilles, papillons, hérissons, il y a même le renard qui est présent dans le fond du terrain. Il y a des moutons qui broutent l'herbe plutôt que d'avoir une tondeuse à gazon. Mon oiseau fétiche, mon oiseau préféré, c'est l'hirondelle de rustique. Parce qu'il y a l'hirondelle de fenêtre, mais elle niche près des fenêtres, comme on voit ça en ville. Puis ici, elle rentre dans l'habitation des gens. Donc il faut laisser une porte ouverte, une porte de garage, une petite ouverture. Et donc j'ai quatre nids cette année. Donc elle niche chaque fois deux fois. Donc je rentre ma voiture, elle est là. Chaque soir, elle me connaît. Et alors ce qui est magnifique, c'est que dès que beaux jours vont partir, dès que ça sera terminé, elle repart vers l'Afrique. Donc j'aurais envie d'avoir des ailes et partir avec elle. Et elle revient, d'après les scientifiques, chaque année, elle recherche à revenir au même endroit. Donc ça, je trouve ça aussi magnifique. Puis ici, vous avez des arbustes, ça s'appelle la viorne au biais. C'est très intéressant parce que ça fait des fleurs au printemps, donc c'est très attractif pour les abeilles. Ensuite, ça devient, vous voyez, des grappes de baies qui peuvent être très utiles lors d'hivers très rigoureux pour les grives et les merles, mais surtout les grives, quoi. Et donc, ce qu'il faut, c'est maintenir la présence des oiseaux le maximum toute l'année avec des nourritures naturelles. Ça, c'est l'idéal. Donc, j'ai mis donc ça la viorne. Il y a aussi d'autres arbustes, tels que la bourdaine, il y a des noisetiers, il y a toutes sortes d'espèces qui sont mais plantées volontairement. C'est des choix qui ont été faits, mais c'est pas fait, ça a été réfléchi pour créer un équilibre. Donc ce que j'ai déjà dit, c'est sur un espace comme ceci, c'est essayer de tendre vers un équilibre. Je dis bien tendre, parce qu'on dépend de l'environnement immédiat. Mais donc ici, on est dans un bon environnement encore. On a eu un petit ruisseau qui est à 100 mètres, on a un marécage qui n'est pas loin, on a du feuillu, on a du résineux et on a des pâturages. Donc les pâturages n'engendrent pas des pulvérisations intensives. Et donc pour l'instant, on est dans un système encore propre.
Donc ici, voilà le résultat de la taille de l'arcade. Et alors, je vais mettre une poignée dans mon compost. Donc ici, j'appelle ça l'aire de compostage, on peut appeler ça, qui doit être située dans une zone mi-ombragée. Vous voyez, donc ici, il y a quand même le soleil, il vient beaucoup d'heures, mais l'arbre est en train de prendre de l'ampleur au-dessus, mais bon, on verra bien à l'avenir. Et alors, le reste de la taille, je vais le mettre derrière, où ça va se décomposer, et j'appelle ça du compost de broussailles. Donc, on imite le processus forestier. La forêt, c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde, puisqu'une forêt, on ne met pas de pesticides, on ne met rien. Et tout se régénère et nourrit les arbres. Vous savez pourquoi on a acheté cette maison? Pour avoir beaucoup de légumes. Par exemple, parce qu'on voulait un grand terrain. Vous avez vu, on a un grand jardin. Vous allez jouer à cache-cache, vous courez, vous faites des courses dans le jardin, Thomas. Et bien, on a acheté pour ce grand terrain et pour pouvoir faire un jardin, pour ne pas devoir acheter trop nos légumes et un petit peu nos fruits au magasin. D'accord? Puis, est-ce que Ouais. c'est pas cette gaie quand on va les manger? Vous avez dit, ah ça, c'est les pommes de terre, ça. Je vais les manger toutes, hein, parce qu'on a eu du mal à en transpirer pour les arracher. On n'en jette pas. Hein. Et quand on est à table, on dit, waouh, Et puis super, elles sont bonnes on en a les plus. légumes de notre jardin, on fait la soupe avec les légumes. Et chez vous, vous faites ça aussi? Votre papa, il fait ça aussi? Oui? Et vous l'aidez? Pas les pommes de terre. Ah, pas les pommes de Pas terre. les Il met pas pommes de de terre. pommes de terre, papa? Si. Si. Ah, il met des pommes de terre, mais vous ne l'aidez pas pour les pommes de terre. Si, on l'aide. Oh, mais super, J'ai alors, dit super. pour les pommes de D'accord, et donc terre. super, super. Et votre papa, comme Et c'est... pour la rhubarbe, des fois. Ah oui, c'est Ah vrai. oui. Et votre papa, il a vécu ici, quand il était petit, Oui. petit comme vous. Il C'est vivait pour ça qu'il ici. voulait faire un Et alors, potager. il s'est dit, oh, mais moi, quand j'aurai ma maison, je vais faire un jardin. Et si vous avez remarqué, quand... Enfin, vous n'étiez peut-être pas encore né, c'est vrai. Directement, il a fait un potager. Hein? Directement. Vous avez toujours connu le potager chez vous. Et puis alors Oui, ta moi, je pense maman, que c'est elle un peu ça. cuisine, Hein? elle envoie une photo sur Voilà. WhatsApp Oui, et c'est elle vrai. dit, oh, regardez Oui, c'est le beau produit, le beau Beau plat avec potage. les produits de notre jardin, de Voilà, notre jardin. c'est vrai, Elle n'a c'est pas vrai. mis de la Migros, elle a dit de notre jardin. Et tonton Gauthier fait la même chose. Dès qu'il a arraché ses pommes de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une photo du panier de pommes de terre. Ah ben lui aussi, Là, il il a fait fait des son pommes de terre. boulot. C'est symbolique. Vous le portez à deux. Oui. Mais Thomas, il est chanceux, Thomas. Moi, je le porte. Tu m'en penses? C'est moi qui le porte. Hein. Oui. Tu mets bien tes deux bras comme Elliot. Ouais. Attention. Regarde avec lui. Est-ce que c'est ça va? Ah, Pas le porter à Mamoun. voilà. C'est bien. Vas-y, Thomas. T'es sûr que On prend t'arrives les à pommes. porter le Non, si petit on bœuf? regarde, c'est pas Non, il sûr. n'aime pas tes Je ne suis pas sûre. Il n'aime De pas? la mâche, j'ai peur des. Oh, il y en a encore un gros, Thomas. Oh, Hmm. attends. Ça va? En plus, Thomas qui adore les cornichons. Regarde, Thomas, encore un Mais bout. ça picote. Oh là Ah, là, maintenant ça ça pique picote le. les Mais non, mains. on les épluche. On les Thomas, épluche, ça on les picote les coupe un mains. peu. Le fait d'avoir vécu dans les grands espaces fleuris avec comment il y avait une faune, il y avait une flore, que beaucoup de gens le disent, ça a quand même disparu, une partie. Donc je voulais reconstituer à ma petite échelle ça. Mais il y a aussi, je pense, que j'étais un cancre à l'école. Donc le fait d'être un cancre, on m'a quand même dit quelquefois, une fois, tu racassais des cailloux. Parce qu'on disait dans les années 50-60 aux jeunes qui chahutaient ou qui ne se comportaient pas bien. Et alors, je pense que j'ai voulu prouver par après, me lancer dans un projet
Mais c'était celui-là, mais ça pouvait être autre chose. Mais je pense qu'on a quelque chose à l'intérieur de soi qui un jour éclate. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'avais sûrement une capacité à l'intérieur, c'est pas possible parce que c'était un truc assez costaud quand même. Parce que tout ce que vous voyez, c'est tout a été planté, vous avez vu les photos. Donc, mais quand j'ai commencé, comme je l'ai dit l'autre jour, on commence, on n'a pas de résultats, on se décourage, on se dit si on va peut-être arrêter. Et puis, il y a des résultats, ça peut être un nichoir, ça peut être autre chose, une bête qui apparaît, oh, j'ai vu ceci. Ah ben c'est intéressant. Puis alors on s'informe, on se cultive. Ouais. Et c'est comme ça petit à petit. Mais alors après 5-6 ans de m'être investi, là certains sont venus visiter, ont dit oui, tu dois le montrer. Et c'est comme ça que j'ai partagé presque chaque année. Je crois que j'ai bien reçu sûrement 2-3 000 personnes en tout depuis des gens qui s'intéressent à ça. Donc ça c'est une revalorisation pour le camp que j'étais. Le gars qui ne fera rien de bon dans la vie. Ça c'est une fierté. Regardez les cascades qu'on a fait, elles sont ouais, trois fois. Non, pas trop. Oui. Attention, oui, attention. J'ai la tête de belle. Tu vois, c'est dans la bienvenue, là. T'as vu comment? L'équilibre, la sérénité, et le fait de savoir que je peux aller n'importe où, que je peux rentrer dans mon havre de paix. Ça, c'est... J'aime bien d'aller en ville un jour ou deux, mais je sais que je vais rentrer, je dis, si à un moment donné je me plais bien en ville, puis à un moment donné je suis un peu exaspéré par la pollution, mais je sais que je vais rentrer, et là, si la météo est belle, et puis je peux manger mes petits repas devant la maison, ça c'est sérénité, ouais. Ça c'est, je pense, c'est le grand mot. Ouais.